Le traitement des valeurs manquantes. En statistique, les valeurs vides, les valeurs manquantes, les gens qui ne répondent pas à certaines questions, cela peut poser de gros problèmes. Ça peut générer des erreurs de calcul, ça peut même renvoyer des messages d'erreur et nous bloquer. Donc les valeurs manquantes sont assez problématiques et en général, on va avoir tendance à éliminer ou à mettre des valeurs arbitraires pour que cela ne fasse pas, pour que cela ne bloque pas le système. En fait, on a trois grandes catégories de possibilités lorsque nous sommes face à une valeur vide. Soit on conserve la non-réponse, ça peut quelquefois être acceptable lorsqu'il s'agit de questions ouvertes, des gens répondent ou des gens ne répondent pas. Quelquefois, on peut aussi remplacer par la moyenne, s'il s'agit d'une valeur quantitative. Si je prends des notes d'étudiant, eh bien plutôt que d'avoir une valeur vide pour l'élément de Dupont, je vais lui mettre la moyenne de l'ensemble de mes étudiants. On peut également mettre le mode s'il s'agit d'une valeur nominale. Ainsi, lorsque les gens répondent blanc, bleu, jaune pour couleur, on ne va pas pouvoir faire une moyenne. Donc forcément, ce qu'on peut faire, c'est si le bleu a été cité le plus couramment, eh bien pour la personne qui n'a pas répondu, on va arbitrairement lui mettre la couleur bleue. On peut aussi utiliser la méthode du plus proche voisin. Ça peut être utile lorsque l'on estime que les gens que l'on interroge à un instant T vont avoir des réponses assez proches les unes des autres. Donc il faudra faire un choix et on verra à la fin de cette petite vidéo comment pratiquer cela. On va essayer de reprendre tout ça à travers une autre enquête pour un peu s'habituer à utiliser ce logiciel Sphinx. Donc on va quitter l'enquête télévision. Si je retourne sur le panneau de configuration, le panneau d'accueil, je reviens ici. Et j'aimerais prendre une nouvelle enquête qui est l'enquête Young. L'enquête Young se trouve bien entendu sur Amethyst. Donc je vous laisse la télécharger. Je vais le faire en même temps. Donc je retourne sur Amethyst. Je télécharge l'enquête Young. Voilà, qui se décharge rapidement. Hein. Je n'ouvre pas le fichier directement, hein, je l'affiche dans le dossier. Puis, je vais faire un clic droit, extraire tout, car les fichiers compressés ne sont pas utilisables. Quand j'ai mon dossier Young sans la petite fermeture éclair, je vais copier ce dossier et le recoller dans mes documents. Là où il y avait télévision, là. Hop, dans le dossier Sphinx IQ 2. J'ai chocolat, j'ai télévision, et maintenant j'ai un troisième dossier qui est l'enquête Young. Quand je double-clique dessus, je vais retrouver le petit logo de Sphinx qui va me permettre de lancer l'application et d'avoir les données qui ont été remplies concernant cette enquête. Alors, en fait, il s'agit d'une enquête qui a été réalisée via Internet auprès de jeunes hauts savoyards qui ont entre 18 et 25 ans. On a récupéré les emails par connaissance, c'est ce que l'on appelle un échantillon de convenance, et donc nous avons environ un millier de répondants qui ont répondu à ce questionnaire. On va donc, dans un premier temps, faire un diagnostic de qualité de réponse. Donc, pour faire le diagnostic de qualité de réponse, on va dans gestion de données, puis qualification. Et dans qualification, on a un bouton qui s'appelle qualité du jeu de données. Ça, on l'a déjà vu, donc je vais un peu plus vite. Et on va donc avoir quelques informations globales, telles que le nombre de répondants, 1025, le nombre de variables, donc le nombre de questions, 42, avec un taux de remplissage de 97,6%, ce qui est excellent. Si l'on descend, eh bien on obtient d'autres informations. Au passage, il me dit que sous réserve de la représentativité de notre échantillon, vu que c'est un échantillon de convenance, j'émets quelques doutes, vous avez un grand nombre de réponses, la précision des résultats est très satisfaisante. Donc, en fait, il me dit que le nombre de répondants est suffisant. On peut aller un petit peu plus loin en cherchant un petit peu
les détails sur le taux de remplissage des variables et autres. Au passage, on a des questions de type échelle. On s'aperçoit qu'elles sont intégralement documentées ou correctement documentées. Il n'y a qu'une seule qui pose un peu des soucis. Et au niveau du détail, pour les questions échelle, on en a 672 réponses sont intégralement documentées, 342 sont correctement documentées. Il en reste que 11 sur 1025 qui sont mal documentées. Donc les répondants ont répondu de façon sérieuse. Nous allons venir maintenant à notre problématique. Nous allons revenir maintenant à notre problématique des non-réponses. Donc, si je regarde mon tableau, que j'avance un petit peu, je vais aller jusqu'à la variable 37. Et concernant la variable 37, par exemple, qui est la variable job, je m'aperçois qu'il y a un certain nombre de non-réponses. Si je fais un filtre, parce que là il y en a quand même beaucoup, je clique sur la petite, le petit entonnoir et je vais visualiser les non-réponses. OK. Je m'aperçois qu'il y a quand même 3, 4, 5, 6, 7 non-réponses et je n'ai pas envie d'avoir de non-réponses. Pour cette question-là. Je prends une feuille de papier et je note très rapidement, je vais en prendre trois, hein. Il y a la 730 qui est vide, il y a la 747 et la 773. Je vais simplement vérifier tout à l'heure que c'est trois observations-là, ou ces trois questionnaires-là, qui contiennent des réponses vides, seront ultérieurement remplis. Alors, comment je fais ça? Je vais retourner sur le panneau d'accueil. Je vais dans Gestion des données et qualifications. Et là, j'ai une option qui s'appelle Remplacer les non-réponses. Donc, je vais le choisir. Je fais Suivant. Je vais choisir ma variable 37, puisque c'est celle-ci que je veux remplacer par la valeur la plus fréquemment indiquée. C'est ce que l'on appelle le mode. Donc voilà, il me met remplacer par la moyenne ou le mode. Moyenne pour les variables numériques, mode pour les variables nominales. Suivant. Je lui demande de remplacer les non-réponses. Normalement, il a dû me remplacer toutes les non-réponses. Alors, on avait un certain nombre de noté un certain nombre de réponses, hein, le questionnaire 730, le 747 et le 773. Donc, on va essayer de les retrouver. Là, le filtre qui était sur les non-réponses, je vais l'enlever. Donc, je vais remettre tous les enregistrements. Donc, on retrouve trou. Je suis sur la variable 37. Et donc, si je prends le premier, l'observation 730, je vais descendre à 730. Alors, la 730, on va le mettre tout en haut. On s'aperçoit que pour la variable job, on a non. J'en essaye un autre, 747. La 747 qui est ici. Pour la variable job, on a non. Vous pourriez vérifier pour la 773 qui se trouve ici, on a non également. Donc, cela a fonctionné correctement. Deuxième question,
ou action que l'on souhaite faire, c'est supprimer les réponses des questionnaires peu remplis. C'est-à-dire que certains répondants ont répondu un petit peu n'importe comment, à la va-vite, et ils ont laissé énormément de réponses blanches. Ce que l'on veut faire, c'est supprimer les questionnaires de ces répondants. On peut se le permettre, puisque je rappelle, nous avons quand même 1025 répondants. Donc si on en supprime une dizaine, c'est pas bien grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tous les répondants qui auront rempli moins de 50% du questionnaire. Donc pour faire cela, on va aller directement en mode tableur. Voilà. Plutôt, nous allons aller donc en gestion des données, qualification, repérer les observations singulières ou trop peu documentées, comme nous l'avions vu tout à l'heure dans la base télévision. On va décocher ces deux cases-là pour ne conserver que l'observation est trop peu documentée. Suivant. Là, il va faire une extraction de 4 observations, la 1022, la 1023, la 1024 et la 1025, qui sont très peu documentées. Voilà, ce sont des réponses singulières. On va créer également la variable qualité. Nous allons terminer. Et nous apercevons donc qu'effectivement, ces 4 réponses-là, ces 4 questionnaires-là, sont inférieurs à 50%. On va donc pouvoir les supprimer sans aucun souci. Donc supprimer les observations. Alors comme elles se suivent, c'est la 1022, 1023, 1024, 1025. On va dire les observations numérotées de 1022 à 1025. OK. Êtes-vous sûr de supprimer ces 4 observations sur les 1025 de l'étude? Je dis oui. Et bien entendu, quand je retourne sur le panneau d'accueil, il ne m'en reste plus que 1021. Je reviens sur le panneau d'accueil. On voit qu'on est bien descendu à 1021 observations au lieu des 1025 que nous avions au départ. Nous pourrions de la même manière vérifier que les batteries d'échelle ont été remplies correctement. Donc, gestion des données, toujours qualification, repérer les observations singulières ou trop peu documentées, suivant. On va décocher les cases à cocher qui ne concernent pas les batteries d'échelle. Donc, je ne laisse cocher que les échelles sont documentées de manière systématique, suivant. Il ne m'en trouve aucune, donc c'est un petit peu bizarre. Donc je vais revenir là, peut-être sur les strates, sur l'échantillon total. Voilà, là je recoche tout pour avoir des valeurs. Et je relance. Gestion, qualification, repérer, suivant. Je ne laisse que les échelles sont documentées de manière systématique. Suivant. Et là, il m'en trouve quand même une dizaine où il y a eu des réponses systématiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, effectivement. Donc ces 10-là, vu qu'il me reste encore un millier, je peux les supprimer. Donc je crée une variable qualité, terminée, et je vais effacer ces différents enregistrements. Donc supprimer les observations. On ne va pas faire sélectionner et faire supprime, sinon ça va tout supprimer. Donc, supprime à de la strate. Donc, si je suis dans une strate qui en contient que 10 d'enregistrement, donc je peux le faire. Je le fais. Non, je ne peux pas le faire. Donc, on va le faire manuellement. Supprimer les observations séparées par des points virgules. Et là, je vais les noter toutes les 10. Donc, 403. 418,
435, point virgule, 512, point virgule, 669, point virgule, 724, point virgule, 763, point virgule, 996, point virgule, 1005, point virgule, 1021. Et OK. Il me dit attention, je vais en effacer 10. Oui. Et c'est fini. Alors, je reviens une petite seconde sur la notion de strate. Les strates, ce sont des sous-ensembles que l'on va créer par moment. Tout à l'heure, j'avais isolé 4 enregistrements parmi les 1025 qu'il y avait. Donc, pour isoler ces 4 enregistrements, j'ai créé un sous-ensemble, j'ai créé une strate avec 4 enregistrements, ce qui était peu documenté. J'ai supprimé les enregistrements, il me restait donc une strate vide, et là, quand j'ai recherché les échelles qui étaient avec des réponses systématiques, je n'ai recherché que dans la strate qui était vide, donc forcément, je n'avais rien. Donc très souvent, quand vous n'avez pas de réponse ou quand vous n'avez pas les réponses que vous attendez, il est très important de regarder dans ce panneau strate pour voir si vous êtes sur un sous-ensemble, une strate, ou si vous êtes sur l'échantillon total. Et pour faire des recherches globales, bien entendu, il faut toujours être sur l'échantillon total. Donc pensez à revenir. D'ailleurs, nous n'avons maintenant plus que 1011 enregistrements. Si je reviens sur le panneau d'accueil, je vois que j'ai bien 1011 enregistrements sur les 1025 initiaux.